Le carrefour du droit permet, à mon sens, à tous les praticiens de bénéficier d'une remise à jour de l'ensemble de l'actualité dans différentes matières qu'ils peuvent du reste sélectionner selon leurs préférences, selon leur spécialisation, le tout dans un endroit très convivial avec la possibilité d'avoir des échanges avec les intervenants en dehors des ateliers. Donc tout cela fait de ce rendez-vous annuel à la veille des fêtes de fin d'année un événement extrêmement apprécié de tous les professionnels du droit. Nous n'investissons pas suffisamment ce champ d'activité, on le verra notamment au travers de l'avocat Steele. C'est désormais toute l'Union européenne qui va bénéficier d'une réglementation unifiée qui permettra à un avocat français de suivre son client au sein de toute filiale implantée dans l'Union européenne. Alors, il faut avoir conscience tout de même d'une chose, c'est qu'il s'agit d'une ordonnance du 31 mars 2016 qui a été prise sur habilitation de la loi Macron du 6 août 2015. Mais l'on attend à ce jour le décret qui n'a pas encore été publié, si bien que la création de cette société n'est pas encore effective. Le décret doit être publié au plus tard, au 1er juillet 2017, mais selon toute vraisemblance, il devrait sortir d'ici la fin de l'année. On ne peut donc qu'encourager les professionnels concernés à se tenir prêts pour faire face à cette réforme et aux évolutions majeures qu'elle est censée apporter.